Bienvenue pour suivre nos bulletins pour ce lundi, le 9 décembre 2019. Dans le bulletin tantôt, il y en a Cécile qui joigne avec les autres pays d'Afrique pour discuter le changement climat. Ça dans une rencontre annuelle organisée par la Commission économique pour l'Afrique. Cécile peut aussi accueillir le 7e séminaire pour l'inspection bonne port dans l'océan Indien. Plusieurs départements et l'agence gouvernement ils joignent ensemble et nettoient Bazar Victoria et son alentour. Président Danny Ford participe dans la rencontre de chef d'État côté sommet l'Afrique, Caraïbes et Pacifique pour business qui peut faire Nairobi. Détail sa bulletin à présent. Cécile ils joignent ensemble avec une quarantaine de participants sortis l'Afrique et l'océan Indien pour discuter le changement climat, commerce et aussi get plan d'action pour 2030 pour agenda développement durable. C'est Commission économique pour l'Afrique qui tombe en Nations Unies qui peut diriger sa rencontre des eaux qui peut faire que l'hôtel Savoy Resort and Spa Bouvalon. Commission économique pour l'Afrique peut faire sa deuxième rencontre ici avec un ambassadeur et représentant bon pays l'Afrique et aussi l'océan Indien pour voir moyen d'être capable d'assister bon pays le bon sujet pertinent. Ça, il y a sa commission en gaz plus et bon pays et aide à drafter un plan d'action. En tout, il y en a une quarantaine de participants et d'autres pour discuter de bon sujet pertinent tel que changement climat, commerce et d'autres peut aussi être plan d'action pour 2030. Présent pour sa première session, Timini Jean-Paul Adam, qui type représente le gouvernement Cécile, et y aussi un certain officier département changement climat. De son adresse, ministre Adam s'y fait sortir, qui Cécile est vulnérable avec bon risque qui changement climat y a mené, et avec l'aide de la Commission économique pour l'Afrique, il y a un certain mesure qu'ils ont pu mettre en place. ECA continues to mobilize resources to support the expansion of the high resolution numerical weather prediction network in Seychelles to improve early warning systems and support resilience building through the use of climate information services in development planning. ECA is also doing more to shift the move from ideas to action. For instance, Seychelles depends on imported petroleum products for its energy needs. Our biggest consumers include of petroleum products include through for transportation, which is 42%, for fisheries 41%, and industry 17%. Investments in sustainable energy production is important to achieving climate resilient economies. Directeur par intérim, division technologie, changement climat et gestion ressources naturelles, sorti de la Commission économique pour l'Afrique, Oliver Chingania, il dit qu'elle a fait ça des jours, la Commission respecte est sortie avec un plan qui va guider les autres pour résoudre les problèmes de différents pays. The main output out of this after the next two days, first of all, is an understanding of where do we, what kind of mechanism or strategy do we need to put in place around climate resiliency. What kind of sustainable policies should we be coming out that would help countries to develop policies that are also not just put on the shelves, but they are mainstreamed in their national development plans? Because if you're talking about something that needs to be developed, means you need to put budgets to it. And the only way you can put budgets to it, it means that you must prioritize it. And the only way you prioritize it, you make sure that it must be in the national development plans. So that is the thinking at the moment, that at the end of the day, it will have a clear guideline where we want to go in terms of the small island states around climate change and also blue economy. That's one. The two that's out of here, we'll be able to get a very good feel of what countries think about our program, where do they want us to go in the next year or so in terms of ECA's program. Cécile pour servir à l'opportunité pour apprendre de bonnes pratiques, pour respecter l'effet changement climat et aussi partager un peu connaissances avec les autres participants. Officier senior pour bon travail adaptation changement climat, Annie Simeon, il dit que son département pour service à l'opportunité pour rendre l'opinion bon participant, le bon mesure que Cécile peut prendre pour adresser problème les causes sur la côte. Demain, après-midi, supposé nous prendre une site visite avec Zod pour nous montrer Zod un endroit ici au Mae, que nous ici Cécile nous implémenter posé pour s'y adapter avec changement climat. Et ça nous doit en Slamos. Par exemple, nous avons des mois qui nous passent, nous avons expérimenté un bon pays, l'homme est mort.
et côte de l'eau puis finalement dit ça pas trop c'est mais puis monter so la baie là do qui là nous met Sarah Cameron to Ahmed nous a qui de l'eau pas peut arriver le semain et là nous pas le site pour une discussion qui pourrait faire ben différents pays pour dans autre point de vélo là et qui fan va capable apprendre camarade de bonne façon que nous prendre capable succès que fan va gagner une façon qui meilleur pour avancer. Sa conférence contient des mains et bonne participant pour concentrer le plan pour développement durable 2030 et voir qui progrès qui peut en a de sa plan. Septième séminaire pour l'inspection bonne port dans l'océan Indien peut faire ici Cécile, ça y en collaboration avec l'autorité sécurité maritime SMSC et l'atelier qui peut faire côté l'hôtel Berjaya Bouvalombe. Ça l'atelier 5 jours pour regrouper ensemble bonne pays dans l'océan Indien qui signe ça l'accord pour l'inspection le bon bateau qui entre dans notre port pour faire ici qu'ils ont le standard qui IMO y demandé. Directeur général de l'autorité sécurité maritime SMSC, Capitaine Joseph Valmoy, dit que c'est l'atelier et aussi information pour les officiers sécurité port de bon pays la région pour approfondir notre connaissance le bon nouveau développement qui peut arriver pour être capable de bien faire notre travail. Capitaine Valmoy dit que depuis qu'il s'est scellé une signe l'agrément, une connaissance pour lui donner une formation 3 sur les officiers qui font l'inspection le port. Mon capable dit depuis là nous traînons ça 3 officiers nous peut continuellement faire port state control inspection le bon bateau qui visite port Victoria mais il est important pour refaire ça aussi pour dire Cécile nous petit et bateau qui vient Cécile est recurrent ça veut dire ou peut gagner même bateau qui peut venir visiter et ou pas capable comment bateau il vient ici monter à faire l'inspection chaque fois il vient à cause ou peut même bateau qui peut venir Cécile mais seulement nous on a aussi sa responsabilité pour nous faire follow up inspection par un bateau il passe d'un port il fait port state control il en a certain deficiency et là il vient Cécile il nous responsabilité par exemple pour monter pour faire un follow up inspection de ce bateau ça MOU qui nous signé là. Sa secrétariat est un secrétariat qui est basé dans l'Aisne. Et j'ai un système pour le temps faire l'inspection au bateau là. Ou upload un rapport de ce système. Présente tout ça dans le pays qui signe sa MOU là. Il y en a sa système et j'ai capable d'aller sa système voir lequel bateau qui fait l'inspection, côté qui fait l'inspection. Qui d'efficience il y en a et où l'état bateau y arrive dans le pays ou déjà qu'on est où on a l'information pour faire sa follow-up inspection. Pendant l'année passée, c'est l'agrément il fait l'inspection de plus de 5500 bateaux dans l'océan Indien. Dilip Mehrotra et secrétaire l'agrément de l'océan Indien pour l'inspection pour. But still the deficiencies have increased on the ships. The number of ships which are detained during the last 3 years are being decreasing. So the trend shows, yes, there is an improvement of bad ships, unseaworthy ships coming to the Indian Ocean MOU. We have been in existence for the last 20 years. Indian Ocean MOU has been 20 years. And in the last 20 years, we have been able to eradicate substandard ships from our region. But a lot more is to be done. Ça est le septième séminaire et c'est l'agrément entre les pays de l'océan Indien pour faire l'inspection de port y faire. Baza Victoria et son alentour y expecté pli attirant et pli agréable pour sa saison festivité. Là que plusieurs organisations ils ont ensemble pour nettoyer sa l'endroit travail qui commençait bon matin, qui compris la baza et débloque bon rigolé grain des efforts pour aussi ti bon mauvais odeur dans sa l'endroit. Bonne l'organisation qui participait, y compris la police, l'agence service d'indifex, service d'isance, l'autorité bazar, l'agence l'agriculture et SPDF. Ça travaille, qui commençait bon matin, y expectait continuer week-end prochain avec participation plus l'organisation. L'Assemblée nationale y reprend son session demain. Le programme, il y en a 4 essais, 3 motions et 3 projets de loi. Ça y est l'amendement de la loi taxe marketing tourisme, continuation débat, le taxe responsabilité sociale et code civil.
Demain, c'est celle pour commémorer les autres pays à travers le monde pour commémorer la journée internationale des droits humains. Ça, la journée coïncide avec 30e anniversaire de la Convention des droits des enfants. Ça, la journée, il y a pour thème, Banzen défendre les droits humains. Pour Marc, ça, la journée, Madame Nicole Tyrant-Gerardi, ombudsman, il envoie un message pour peuple cécélois, quand il adresse Banzen pour jouer un rôle dirigeant pour amener un changement constructif. Et une source d'inspiration pour un avenir meilleur. Madame Tyrant-Gerardi, il encourage Banzen pour défendre les droits et lutte contre racisme, ban discours la haine, l'intimidation, discrimination, changement climat et toute violation ban droits fondamentaux. Toujours dans son message, ombudsman, il rappelle Banzen qu'ils ont pas en mettre aux zen pour sans les monde et qui Banzen y en a un rôle important pour jouer dans changement positif, sont capables d'amener ban nouveau idée et solution pour un monde meilleur. Ça nous les réussit. Si nous les réussit en tant que nation et réalise un développement durable, nous devons exiger que tout le monde y participe, en particulier Banzen, donne Banzen connaissance et responsabilité tous les jours à travers l'éducation. Pour ça, la journée, Madame Nicole Tyrant-Gerardi, il demande tout le monde pour encourager Banzen qui nous décide pour lutter contre droit humain, il encourage Banzen pour défendre droit humain et rappelle aux autres qui pour défendre droit humain, il pas seulement un droit, mais un privilège et un devoir qui tout le monde il devrait partager. À l'occasion de la journée internationale droit humain demain à Ride aussi, l'association pour droit et l'information et démocratie et l'organisation non gouvernementale qui peut défendre droit humain, il fait un appel avec tout Banzen en tant que bon dirigeant potentiel changement pour faire tendre autres la voix et promouvoir droit humain. À Ride, il enregistre une augmentation de quantité complète de violations droit humain, l'abus et mauvais traitement bon travailleurs, spécialement bon travailleurs étrangers. Et à l'occasion de la journée droit humain, Arid you les dénonce et condamne ban business qui peut maltraiter et viole ban droit humain, manque l'efficacité et manque action de la part service immigration et département travail ban business qui continuellement viole droit ban travailleurs migrants de ban certains cas abuse physiquement et n'a pas grand cas qui gagne prend avec sa ban business pas ban l'agence qui devrait défendre droit sa ban travailleurs. Arid lance l'appel avec gouvernement même l'Assemblée nationale et tout ban partenaire pour prendre ban mesures nécessaires pour corriger sa ban action et protéger respecter droit humain si tout bon qui plie vulnérable à Ride. Il félicite la police pour l'intervention efficace de bon cas qui n'gagne rapporté. Et à Ride, il lance l'appel avec tout le monde pour défendre les droits et protéger dignité de bon frère excès. Il dit qu'il voit récemment portrait un accident tragique le réseau social qui viole dignité victime et famille irresponsabilité chacun pour respecter, promouvoir et protéger droits et dignité tout le monde. Et à Ride, il condamne toute forme la droit humain et violation droit humain et pour continuer défendre et promouvoir droit humain chaque individu, ça qui Aride peut dire. Président Danny Forbes peut participer des rencontres pour un chef d'État pendant un sommet ACP pour business qui peut faire de la capitale Kenya, Nairobi, l'implémentation, l'investissement dans des projets concrets pour promouvoir l'industrialisation dans les régions de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Dr. Patrick Gomez, secrétaire général ACP, s'adresse à un forum qui réunit principalement les représentants business de les pays ACP et président Uhuru Kenyatta qui officiellement ouvert sa forum. Président Ford qui concentré sur l'intervention de l'investissement dans l'économie blé et qui souligne l'accomplissement Cécile pour garantir financement innovatif dans sa secteur dans fonds l'économie blé et subvention la banque africaine pour développement pour secteur privé l'Afrique. Président Tinoté dans son réponse pour bonne question suivant son intervention concernant préparation pour changement climat qu'il applique pas bon pays ACP pas comparé pour faire face avec bon l'effet dévasté changement climat. Et plus bonnet dans la zone président Forti visite village ACP de sa village dans plusieurs produits programmes et services disponible dans bon pays ACP. Président Danny Ford fait rencontre avec Premier ministre Jamaïque Andrew Holness pour discussion bilatérale encore
à côté 9e sommet ban chef d'état et gouvernement ACP. Président Faure une remercier premier ministre Jamaïque pour son support de collaboration avec la Banque mondiale et Fonds monétaire international pour faire pression pour gagner l'index vulnérabilité en faveur ban petit état asile qui peut développer. Les deux pays d'accord pour partage de l'engagement pendant la négociation un nouveau accord partenariat ACP l'Union européenne avec bi promouvoir l'unité d'un groupe en pays l'Afrique Caraïbes et Pacifique. Bureau météorologie CCCL il annonçait qu'il est temps de bonnes îles éloignées in améliorer aujourd'hui et divan in affaibli. Puis il terminé merci pour l'attention et bonsoir.